watch me and feed the vibe we never see. People trying to bring the darkness. Alors, Opal Vélo Service, c'est une association loi 1901 qui a pour but, comme objet, la mobilité douce sous toutes ses formes. On n'est pas contre la bagnole, mais on est un peu contre les gens qui se promènent tout seuls dans leur voiture, alors qu'ils peuvent faire leur déplacement en vélo, ce qui est plus simple. Le vélo, c'est écologique, économique et très bon pour la santé. Et en même temps, on est une recyclerie, c'est-à-dire qu'on récupère des vélos, on les remet en état, donc des vieux vélos qui étaient destinés, on récupère pas mal de vélos de déchetterie qui étaient destinés à la ferraille. Quand ils ont des vélos, ils nous appellent, on va les chercher, et puis ensuite, soit on les déshabille pour les remettre en état quand on a des cadres à peu près propres, et ensuite, soit s'ils sont trop abîmés, là on fait de la récupération de pièces sur les vélos. Ensuite, on fait de la réparation pour nos adhérents. On fait de la location, donc on fait de la location de vélos de ville, de VTT, de tandem. C'est tout un ensemble de services qu'on fait pour nos adhérents. Le seul principe, c'est d'être adhérent de l'association. Dès qu'on parle vélo à Calais, on demande un petit peu au pôle de service ce qu'on peut faire. Au tout départ, quand l'association est née, l'idée de base c'était de réinsérer des gens, de créer de l'emploi par le biais de la location de vélos aux Calaisiens. Et finalement, les adhérents, enfin les personnes sont venues petit à petit avec leur vélo pour voir si on pouvait faire leur réparer leur vélo. Les ateliers participatifs, c'est le fait de se servir de l'atelier pour réparer son vélo. Si vous avez un peu de notion mécanique, on vous met tout à disposition et vous débrouillez vous-même. Si vous avez un problème, il y a toujours quelqu'un, c'est encadré par un bénévole. Donc il y a toujours quelqu'un pour vous aider en cas de souci, pour vous conseiller. Mais logiquement, le but, c'est ça, c'est de le faire soi-même. Et à côté de ça, on fait aussi l'atelier mobile qui, lui, se déplace vers les gens en campagne. On le déplace sur les villages, sur les marchés. On faisait Audroic, on faisait Waplage, on a fait Marc, Blériot et Guin. Donc c'était tous les jours de marché, en fait. On tournait sur la région tous les jours de marché. On fait des statistiques pour montrer à la ville de Calais que Calais est quand même une destination principale. On a la voie Francis Génat, on a des touristes qui viennent, qui font des circuits européens. Donc Calais est quand même une étape particulière. Et on a des voyageurs à vélo qui passent d'avril jusque septembre, octobre, quoi, qui passent par Calais. Donc c'est des dépannages, c'est des gens qu'il faut dépanner tout de suite, quoi. On ne peut pas leur dire non, revenez la semaine prochaine ou venez en fin de semaine, votre vélo sera prêt. Les gens arrivent, ils cassent un rayon, il faut le réparer rapidement. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on rencontre plein de nationalités différentes. Des Chinois, des Japonais, des Russes. C'est extraordinaire comment... Le monde du vélo, c'est assez passionnant. Et c'est des rencontres enrichissantes. Donc on échange un peu. Ça, c'est pas mal. Qu'il soit cycliste ou pas, quoi, il va trouver ici une ambiance agréable, une ambiance conviviale. Ce sera un petit chaînon dans la grande chaîne un peu des gens pour essayer de limiter un petit peu les déplacements. Il nous manque des militants, si ça peut devenir un militant aussi, militant vélo, quelqu'un de pro-vélo et qui milite en faveur des déplacements en vélo. La majeure partie des déplacements en centre ou ailleurs, c'est 5 km. Maintenant, il y a vélo électrique aussi, donc ça facilite un peu, même pour les gens qui ont du mal à faire du vélo traditionnel.